On y est. Ça y est, on va la chercher. Donc c'est chez Dafocaz. Alors t'es... Hop, bon bah merci beaucoup hein. Bah je vous en prie, bonne continuation, vous voulez bien les gars? Ouais, on va se faire plaisir là. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Alors chef, monte dessus un peu. Allez, monte dessus, t'es en descente. Alors, regarde-moi un peu, ça sourit ou quoi? Vas-y, bouge pas, regarde-moi. De Dieu qu'elle est belle. Elle est flambant. J'allais vous dire flambant neuf parce qu'on dirait que vraiment qu'elle est neuve. Quelques pièces, on en parlera juste après. Du coup, explique-nous qu'est-ce que c'est que cette moto en détail. Bah, j'ai choisi de prendre un 125 XW ouais. de 2018 pour remplacer la 125 TE. Et du coup, cette moto, est-ce qu'elle a une particularité? C'est comme toutes les enduros. Qu'est-ce que. Dis-nous un petit peu, est-ce qu'elle est un peu particulière, oui, non? Bah, entre guillemets, oui, parce qu'après 2016, KTM et Husqvarna, ils ont arrêté les EXA et les TE et ils se sont mis à faire des XCW de 2017 à 2019, parce qu'à partir de 2020, c'est des six homologués. Ok, ouais, donc il y a plus. Après celle-ci, on va dire, donc il y a eu les EXA jusqu'à 2016. Donc ils ont pris la XCW qui n'était pas homologuée, c'est ça? Oui, voilà, c'est juste, bah, c'est un peu différent, faut la faire homologuer. Ouais, faut passer par un concessionnaire en Italie. Et okay. Voilà. Et du coup, après, donc les SX qui sont plus homologués. Et du coup, cette moto en 2017, on a l'impression qu'elle a quand même bien changé. Si vous vous rappelez comment étaient les EXA de l'époque. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire rapidement? T'as déjà changé des trucs dessus? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Bah, l'inconvénient, c'est que dessus, ils ont changé le carbu, ils ont remplacé le Keirin par un Mikuni. Et le problème c'est que d'origine il s'engorge pour un rien. Du coup plus petit carbu. Voilà le Mikuni là. Donc ça tu comptes le garder Non, j'ai acheté un Keirin en remplacement. Ouais. Donc il faudrait qu'on le monte d'ici peu là. Parce que je me suis blessé du coup. Tu l'as déjà donc. Ouais. Que ce soit compréhensible, ouais. Oui, donc, ça, déjà, faut juste qu'on le monte. Faut le monter, le régler. Voilà, on aura le temps avec le confinement. Ça c'est le plus pénible. Ok, donc t'as ça. D'ailleurs, ça c'est pas d'origine ça.
Le FMF, il est pas d'origine, il était dessus quand je l'ai acheté. Sinon, dessus, bah, c'est le. Donc, c'est lequel le de FMF? C'est le. C'est le Power Core 2. C'est le Power Core 2. T'avais le Shorty sur la TV, il me semble. Oui, oui. Il y a vraiment. Enfin, après, je peux pas trop comparer parce que c'est pas les mêmes moteurs, mais. Enfin, il est. Sur toute la plage de régime, il marche, quoi. Alors que le Shorty, c'était vraiment dans les hauts régimes, quoi. En bas régime. Ouais, par exemple, dès qu'on passait sur l'herbe, c'était mouillé. Dès que ça montait dans les tours, c'était un peu. Ouais, c'était impossible, quoi. Ça patinait. Ça... Ouais, ça rendait la moto trop nerveuse. Déjà qu'à 125, il n'y a pas trop de couple. Là, ça devait la rendre vraiment, vraiment très, très nerveuse. Ouais, c'était compliqué. Sinon, comment tu te sens sur cette moto? Un petit peu bizarre, non? Parce que ça fait longtemps que tu n'as pas roulé. Explique-nous, pour ceux qui n'ont pas suivi sur le réseau, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, je me suis tombé sur un saut sur un terrain de cross et je me suis cassé le pied. Donc, ouais. Donc là, on est le. Tu t'es fait quoi au pied? J'ai eu 7 fractures au pied, du coup, je me suis fait opérer. Ouais. Là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois? Ça fait quoi? Non, ça fait. Enfin, on est le combien? On est le 10 août, on est le 10, on est le 10 novembre et je me suis cassé le pied le 8 août. Et j'ai toujours pas pu reprendre la moto. Donc voilà, et t'as une date? Tu sais à peu près ce qu'on t'a dit? Bah, courant décembre, peut-être fin décembre, je sais pas. Ok. Et du coup, là, t'as attaqué la rééducation? Oui, j'ai attaqué la rééducation il y a un mois et du coup, bah, tout se passe pour le moment, tout se passe bien. Ouais. Et on fait une petite pause avec le kiné. En plus, on est confiné, alors bon, ça arrange pas les choses. Et on va reprendre dans pas longtemps, d'ici 2 semaines, j'espère. Et j'espère que je vais pouvoir remonter sur la moto rapidement. Ouais, du coup, tu t'es fait mal avec cette moto, hein? Ouais, je suis tombé sur un saut. Ouais, bon, c'était pas de la faute de la moto, on vous rassure. Elle est très, 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 très bien. Et du coup, par rapport à la TE, t'as trouvé des différences, il y a des changements, Comment ça se passe? Bah, déjà, oui, déjà le moteur est différent après le carbu. Parce que du coup, t'as le nouveau moteur en 2017, c'est ça, ils ont fait pas mal de modifications. T'as le moteur un peu adapté, ouais, à la crosse. On peut voir que c'est pas le même bloc. C'est pas le même bloc moteur qu'on peut voir. Ouais, ça change pas mal. Avant, il y avait pas cette petite partie là. Il était en plastique noir. Ouais. Voilà. Après, comme pour changement, il y a les suspensions, les amortisseurs. Ouais, les plastiques aussi d'ailleurs. Ouais, les amortisseurs. C'est des amortisseurs à air. Ok. Du coup, c'est marqué là, non? Ouais, Explore, c'est ça. Ouais. Explore 48. Ok, ouais. Et ça fait un. Enfin, c'est pas le même ressenti. Ça, c'est différent. Après, vraiment, un reproche que j'avais sur la TE, c'est que je la sentais vraiment grosse entre mes jambes au niveau des ouïes, tout ça. Je sentais que c'était gros et je pouvais pas. J'arrivais pas vraiment à la sentir et à sentir la moto, quoi. Alors que là, je la sens vraiment fine, j'arrive bien à la sentir entre mes jambes et à l'emmener où je veux, quoi. Genre, c'est différent. Enfin, ils ont. C'est quoi ça? Enfin, ça fait plus maniable sur le. Ouais, c'est vraiment plus maniable. Ça fait plus vélo que la Husqvarna qui faisait grosse, quoi. Ça faisait un peu patode. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment. J'ai l'impression de me croire un peu sur un cross, quoi. C'est un peu plus vif, quoi. C'est vrai, ouais, que voilà. La Husqvarna, c'était un petit peu, tu sais, l'effet, moi j'aime bien dire pompe à vélo. Bah, c'était large. Et c'est vrai que celle-là, elle est un petit peu plus joueuse, c'est assez agréable. Bon, t'as pas les billettes, c'est la différence aussi entre KT et Husqvarna. C'est la différence entre KT et Husqvarna, la grosse différence, c'est les billettes. Sur la KT, on a le système PDS, qui est directement fixé, qui marche pas mal, ça marche pas mal. Après, c'est les goûts et les couleurs, c'est toujours un petit peu pareil. T'as envie de dire quoi de plus? Pas grand chose, hein, à part que c'est dans l'ensemble c'est une bonne moto. Hein, bon, certes, il faudra faire quelques changements dessus pour la peaufiner parce que les suspensions c'est bien, mais on peut avoir mieux avec une petite préparation. Ouais. Et changer le carbu, je pense que c'est indispensable sur ce modèle. Ok. Bon, je sais pas ton avis, mais je pense qu'il est temps de leur présenter le petit projet sur lequel on travaille depuis maintenant un long moment. Ça y est, on y est, le grand dévoilement. Bon, vous l'avez vu, du coup, on a une petite moto ici. On avait déjà lancé le petit projet Volt Brigade, vous le voyez. On est équipé d'ailleurs, on a même les masques. Donc attention, soyez prêts. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est un nouveau projet. Le nouveau projet, il s'appelle All Pro MX. On vous met un logo juste ici. Vous l'avez deviné, All Pro MX, c'est du coup une boutique en ligne où il va y avoir tout ce qu'il faut pour la moto et pour le pilote. Donc à commencer, voilà, toutes les pièces, on a amené quelques pièces pour vous montrer, donc que ce soit des plastiques, des protections, des pneus, tout ce qui est frein, on a tous les produits d'entretien, graisse, huile, voilà, tout ce que vous voulez. Et on a aussi pas mal d'équipements pilotes, notamment Guigui vous présente en avant-première son casque. Donc voilà, un petit Bell, c'est une des marques qui est disponible sur le site. Le super beau, ben, le Bell Fast House tout simplement. Et d'ailleurs, on va pas vous bassiner 30 minutes avec ça, tout simplement, on fait gagner un Bell sur notre page Instagram, donc il y a tous les liens en bas.
Donc allez voir ça, Instagram, Facebook, il y a un concours pour gagner un casque Bell au choix. Donc voilà, c'est un très très beau casque. On voulait marquer le coup et faire un heureux. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est tout en description. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette moto, on va en faire un espèce de petit prototype pour le plus grand plaisir de Guigui. Et du coup, on va monter énormément de pièces qu'on a à disposition histoire de se faire plaisir et de faire une moto vraiment super jolie. Donc toi, tu as quelques idées de pièces que tu aimerais monter dessus un petit peu là ou... Déjà, j'avais pensé à quelques pièces anodisées. Ouais, bon, le classique quoi. Ouais, voilà, après, des petits calepiers noirs, des petites pièces orange ou je sais pas. Peut-être un petit kit déco quoi, ça serait pas mal. Un petit kit déco, ouais, ça, voilà. Pourquoi pas. Après déjà, Petite tête fourche, on sait pas. Ouais, petite tête fourche, ça serait... On compte sur vous, ce site, ça fait énormément de temps qu'on travaille dessus, on y est depuis février, ça fait 10 mois qu'on est dessus. J'ai de la chance d'avoir Guigui qui m'aide énormément. Il y a aussi Dylan, on s'est fait aider par encore d'autres amis et d'autres connaissances dans la moto. On a fait plein de tests, on a fait plein de choses, tout ça. Aujourd'hui, le site, il est 100% prêt. Et ce qu'on voulait proposer avec ce site, c'est forcément des produits pour vous, un accompagnement pour vous. Et quand je parle d'accompagnement, en fait, c'est la possibilité de vous faire conseiller alors que vous achetez en ligne. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc il y aura un chat qui sera disponible, il y aura un numéro de téléphone qui sera disponible à certains horaires. Et vous pourrez nous appeler, nous poser des questions sur tel équipement, sur des questions sur le casque. Par exemple, vous voulez acheter un casque Bell, un casque d'une autre marque. Vous pouvez nous poser des questions, vous avez des questions sur les pneus, vous avez des questions sur des protections. Vous avez des produits que vous voudriez qui ne sont pas encore sur le site. On peut vous les trouver, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et un gros avantage, c'est que les livraisons sont en 24 et 48 heures ouvrées. Donc ça, c'est quand même super bien. Moi, je pense, j'habite en Auvergne, t'habites dans un coin perdu. Des fois, il faut faire une heure pour trouver un magasin de moto. T'as pas envie de faire une heure d'aller, une heure de retour. Tu commandes, il y a possibilité d'avoir la pièce soit le lendemain, soit le surlendemain chez soi. Et ça, je trouve c'est super cool. Merci à tous pour votre soutien, pour toutes ces années. Aujourd'hui, voilà, on attaque ce nouveau projet. Donc merci à vous. Ce site, il est fait pour vous. Donc allez le voir. On vous a tout mis en description. On vous a concocté un concours. Et pas mal de promotions, les fêtes arrivent. Merci encore, merci. Et plein de belles choses arrivent. Slappy toppy worth the waiting. I don't need a reservation. All these bitches want a dick and dedication. Better bitches in the basement. That mean I'm working my way down. She let me slide in the...